Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente au niveau de la présentation en tout cas. Donc on va directement au permis et on voit que le super permis, voilà, j'ai déjà la coupe. Ouais, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. En gros boulet que je suis, j'ai supprimé ma présentation. Alors bon bah pour vous c'est pas important, sauf que vous allez voir mon temps. Voilà. Bon après vous savez que j'ai fait l'heure forcément, sinon il n'y aura pas eu de vidéo, hein. Donc voilà, présentation malheureusement, vous savez déjà la fin, en tout cas le temps, voilà. Allez, bon visionnage. Bon allez c'est parti, vite le réglage, voilà, avant de prendre le mur. Allez on est parti, on est parti, on est parti, c'est parti, vas-y. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris trop large en fait. C'est pour ça que quand j'ai accéléré, après c'était trop limite. Là, je relâche un peu. Allez, on est reparti. Ouais. Je peux même gratter un peu plus en passant plus vite. Mais ça, on verra ça au deuxième tour. Honnêtement, je pense pas faire le meilleur tour dès mon premier tour. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je sais pas si c'est français. Bon, c'est pas grave. Ouf, je pouvais passer, j'ai freiné trop. Bon, c'est pareil, à retenir, il faudra rectifier ça tout à l'heure. Allez, on accélère. Pareil, je pouvais accélérer beaucoup plus tôt. Faut que je m'en souvienne de ces erreurs. Trop freiné là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave, c'est quoi notre temps de référence pour ce premier tour? Oh, j'aurais pu faire dès le premier tour. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis deg, incroyable. Bon, allez, vite, 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 vite. Allez, on fait un deuxième tour ensemble. Bon, hop, je remets le réglage. Et c'est pas mon fantôme. Comme il a fallu que je parte, malheureusement, j'ai éteint la console. Du coup, je perds mon fantôme de référence qui était pas mal. Il était pas mal ce petit fantôme. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, la ligne droite. Et on va voir, on va essayer de bien négocier ce virage. Tout à l'heure je l'avais bien pris, ça c'est sûr. Ah, j'étais un peu obligé de freiner, je sais pas si ça va se payer. Je sais pas si. Et voilà, j'ai plus mon fantôme, je sais plus si je suis bien du coup. Allez, j'accélère. Bien, ouais bien, voilà, j'aurais pu mieux faire, mais bon, j'aurais pu accélérer un peu plus tôt. Mais bon, je m'en sors bien. Là par contre, là je vais être super bien. C'est au virage à droite. Après celui-là, voilà. Où là carrément je suis à fond. Tout à l'heure j'avais freiné. Alors là, attention. Un virage qui semble très facile. Écoutez, je pense que je l'ai bien pris. J'ai pas dérapé, je pense que je suis pas mal. Alors là maintenant.
écoutez, je sais pas. Voilà. Je vais vous dire, je suis honnête, je ne sais pas. Oui. Ah, c'est dommage, sans mon... C'est pour ça, j'ai pas mon fantôme de référence, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Écoutez, une 59, c'est pas mal, c'est pas mal. Écoutez, on va... Voilà, la rediffusion avec vous. Donc, voilà. Donc là, voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, c'est simple, voilà. Je bien à la corde. Malheureusement, vous voyez, parce que je voyais que j'allais contre la barrière, du coup, j'ai pas réaccéléré. Que normalement, si on le passe très bien, on peut réaccélérer et là, aller beaucoup plus vite. Là, ici, à ce virage, vous voyez, là, je freine et là, je suis en roue libre. Là, écoutez, pas de moteur. Là, j'accélère. Là, malheureusement, j'ai freiné un petit peu. Et puis là, j'essaye d'accélérer à fond en essayant, je dis bien en essayant, de garder les roues des fois droites pour prendre un peu de vitesse. Bon, là, j'ai bien pris ce virage là. Voilà, je prie tranquille en fait, tranquille. Je peux passer plus fort, mais il s'est bien passé. Là, à fond. Et là, ici aussi, à fond. Là, j'ai pas eu peur. Il passe large, hein. Il est très large. Et là, par contre, là, tranquille, pareil, je vais dire encore, tranquille. En fait, j'ai fait un tour tranquille, vous voyez? J'appuie pas. Et là, j'appuie à fond. Et là, je pense qu'à cet endroit, c'est là où je vais gagner du temps, en fait, par rapport à tout à l'heure. Dans ce S, vous voyez? Et là, c'est important, c'est là où j'ai calé le rapport. Et là, je reste toujours dans ce rapport-là. Tout le temps. Voilà, et là, ça va me faire gagner du temps. Et là, je le passe moyen, ce dernier virage. Mais finalement, il est suffisant pour passer sous les 2 minutes. Voilà. Donc, un tour cool. Voilà, cool. Pas de difficulté, voilà. Un bon chrono, non pas un bon chrono, mais un or facile, voilà. Pareil, c'est pas trop français, mais bon, c'est pas grave. Allez, je quitte. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a bien aidé, en tout cas, ou va bien vous aider pour faire l'or. Vous voyez, pas très très compliqué. Bon, en tout cas, on va se revoir pour le prochain défi. Le prochain défi qui va être avec ma voiture. Et ma voiture plus sympa, je veux dire, moi c'est la bas de gamme des Yaris, hein. Ça c'est celle qui marche, ça c'est la performance. Bon allez, on se retrouve juste après. Allez, à bientôt.